Oh, il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a quelque chose qui m'intéresse. What's up les gens, on se retrouve pour la suite du let's play de One Piece Warrior 4. On s'était arrêté avec l'arrivée du coup du Moby Dick et tout l'équipage de Barbe Blanche pour sauver Ace, pardon. Donc là, littéralement, on est à la deuxième partie, il y en a encore deux, donc là, on est à la deuxième partie. J'ai pu voir de speed et les personnes qu'on pourra jouer, et je crois que je vais jouer une personne que j'ai jamais joué encore. J'ai jamais joué, même dans Pirate Warrior 4, je crois que... Si, j'ai dû... Non, non, je l'ai pas joué, parce que j'ai juste mis de l'argent pour la mettre niveau 100. Je l'ai pas joué du tout. Et ben là, on va pouvoir la jouer, honnêtement. Là, on a Jinbe, on a Crocodile, mais on va jouer Boa Hancock, qui est de type technique. Là, on a les types aériens, type puissance. On va jouer Boa Hancock de type technique. On change la tenue. Ah, oh, on a... Oh, on joue quoi, la tenue, comme ça? On va jouer cette tenue, voilà. Une tenue Wang Ji. Wang Ching! On va jouer cette tenue, let's go. C'est Tipar! Oh, vous avez vu là tous les trucs? Alors, il y a Ekainu, Dekuma, il y a Mr. One. Qui est chez l'ennemi d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout. Il y a Kizaru, Dekuma, et il y a Aokiji. Secours et Ace. Condition de défaite. Défaite de Luffy, Barbe Blanche ou Ivankov. Il va falloir que je coûte partout aider. Donc ça, c'est l'émission, on doit aider Luffy, les trucs comme ça. On va essayer d'aller voir si on peut améliorer des trucs. Je crois qu'on a même pas assez, on n'a pas beaucoup de... En termes de... On va essayer d'améliorer plutôt ça. On va essayer d'améliorer plutôt les techniques et tout. Parce qu'en plus, c'est une type puissance, donc... Tout ce qui est trucs comme ça, va falloir les gérer. Oh, fait chier. Ça, c'est l'amélioration des spells. Bon, pour les 20 niveau 4 et tout... Hein. Ça me fait chier. Parce que là, en fait, j'ai pas assez de berries. Il va falloir que je récolte. Que je fasse une session de farming, hein, comme un gros schlag. Hein. J'améliore minimum les techniques. C'est déjà ça. On va améliorer ça aussi. Les techniques, c'est déjà ça d'améliorer. Parce que vraiment. On est type puissant. Donc, il va falloir qu'on rafale les techniques comme pas possible. Oui, j'ai vu que les trucs en premier focus en vrai c'est les flèches, ensuite c'est les techniques, donc les trucs avec les épées. Parce que les flèches en fait ça améliore vos combos, vos dégâts de combo, etc. Ça les améliore, là j'ai pas beaucoup, malheureusement bah, je serai dans la merde. On va améliorer la force ici parce que là c'est pas des. C'est pas des pièces. Hein. Va falloir que je fasse une session, je pense après que j'aurai fini Marineford, je vais faire une session farming avec Katakuri ou Luffy. On va farmer les pièces parce que là mec ça devient vraiment la hesse. D'ailleurs, faut que je finisse. Enfin, j'ai pas fini Grand Line. Hein. J'ai laissé les Grand Line pour finir avec vous, je pense. J'ai même plus de thunes. J'ai même plus de. Oh mon dieu! J'ai plus une thune. Alors, Zéphyr de la Passion rend un court instant, effectue un contre en cas d'attaque et transforme les ennemis alentour en pierre. Non. Danse de la fosse de Safran. Avec Salomé, lance une attaque dans toutes les directions sur les ennemis d'une vaste zone. Transforme Salomé en arc et envoie une flèche de cœur. Les ennemis touchés se transforment en pierre. Pistole Okis, ok. Fluide royal, on va mettre le fluide royal, c'est quand même important. Chevauche Salomé et charge vers l'avant. Parfume, inflige des dégâts consécutifs à l'ennemi avec des formidables coups de pied circulaires. Les ennemis touchés se transforment en pierre. Zéphyr de la passion. En vrai, on va mettre ça, c'est une attaque niveau 3. Charger vers l'avant, je m'en bats les couilles un peu. Ah, je l'avais déjà, ok. Slave, allô! Envoie une flèche de... Ah non, c'est pas ça. Cheval vers l'avant. C'est ça, parfum fémur, voilà. On va mettre l'attaque comme ça, on va mettre l'attaque comme ça, et là, on n'a pas assez hein, pour faire un mélange de machin. Oh, les ennemis plus faibles aux effets d'état, on n'a pas le choix. Ça va être chaud là avec Banco, quand on va essayer de gérer, mais ça va être chaud. On arrive, hey, ici! Oh,
Puis y'en a un, il vient de tirer un lance au lance-roquette, mon cote, en face d'un mec. Et le gars court toujours. Ah, le pauvre Garp. Oh, lui, il s'est fait marteler d'attaque. Hein. Dites-vous que. Oh, je vais dire après, moi. Dites-vous que Barbe Blanche, il aurait niqué tout le monde. Mais je vous dis tout le monde. Déjà, de 1, s'il serait pas malade, il aurait enculé tout le monde. Il est déjà, s'il serait pas malade, il aurait niqué tout le monde. Si il aurait décidé, hein, parce que dites-vous que Barbe Blanche, tu l'as même pas vu une seule fois esquiver des spells, donc des attaques si vous voulez. Il a même pas esquivé une seule fois des attaques qu'on lui lançait. On lui a lancé un lance-roquette en pleine gueule, il l'a pas esquivé. On lui a pointé des, enfin planté des armes dans le corps. Il a même pas cherché à esquiver ou à se protéger, rien du tout. Le mec n'esquive jamais, le mec se protège jamais, le mec prend les dégâts et c'est tout. Et honnêtement, c'est ça qui est insane avec lui. C'est ça qui est chiant, mais c'est ça qui est insane avec lui. Ah, c'est une meuf, regardez. C'est une meuf comme... Il faut croire comme quoi ils ont augmenté les gameplays et tout. Mais regarde, la meuf, elle saute. X, elle a qu'une attaque, c'est vers le sol. Si je fais Y, elle a une attaque, c'est aussi vers le sol. Elle peut pas enchaîner dans les airs. Et ça, c'est un peu dommage. Ok, attends. Oh, elle bombarde. Copier, 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 copier. 1, 2, 3. Pistole kiss. Da, 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 da. Oh, nice. Oh. Bon, en termes de dégâts, ça va. Hein. C'est jouable vu que c'est une petite puissance encore eux qui a fait mal avec ses attaques space. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller vers le bas. Faut littéralement sauver tout le monde, faire des gauche-droite en permanence. Quand elle met ses spells, je sais pas. Boom, let's go. Coup de pied. Coup de cœur. Attends. Si je fais ça. Oh, ça a l'air bien ça. Ah, lui aussi là avec ses ciseaux là, on peut toujours pas le jouer. Hein. J'ai oublié son nom, je vais pas mentir, j'ai littéralement oublié son nom, je sais même pas comment il s'appelle. Mais ouais, un peu dommage. Vraiment, ouais, si Barbe Blanche il était pas malade, il esquivait les spells, je pense qu'il aurait enculé tout le monde. Hein. Je pense littéralement que lors de la Grande Guerre, il y en a vraiment qui auraient fermé leur gueule. Bah déjà avec Aino il aurait rien fait du tout. Il aurait même pas tué Ace. Ah pardon. Ouais non, tout le monde a déjà vu, c'est bon, j'ai déjà vu mon let's play depuis 3h04. Enfin il aurait, il y a pas mal de choses que les gens auraient rien fait. Attends quoi? J'allais dire il est pas gelé, pourquoi il est pas gelé? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Attends, lui il me gèle mais moi je peux pas le... Mais putain! Elle est lente, hein. Elle est très très lente. Mais quoi? 1, 2, 3. Tu te fous de ma gueule, hein. Ah mais il est même pas... Il est insensible! A quelle heure t'es insensible à mon charme, enculé?
Je l'ai même pas touché. Vous pensez que je le touche pas avec mes attaques parce que il est des types Logia. Déjà je vais mettre mon truc là parce que là elle me fait rétam pour rien du tout. Elle a pas d'attaque aérienne, je peux rien faire, je vais même pas enchaîner dans les airs. Mais là je l'ai tué ou pas du tout là? Ah, Okidji a récupéré. Ah mais en fait je l'ai même pas le péta. Il sert à rien, c'est bon je me casse. Là vraiment en type puissant je crois. Je sais plus ce qu'ils font les types puissants. Si je crois ils améliorent enfin leur attack space, ils reviennent beaucoup plus rapidement. Ah oui je transforme tout le monde là hein. Enfin on est en mode état hein. Donc là moi je transforme directement les gens avec mon combo en pierre. D'ailleurs comment je transforme des robots en pierre, je sais pas, ils sont peut-être amoureux de moi. Hein. Normalement c'est tous ceux qui succombent à mon charme qui sont transformés. Et vu que c'est la femme la plus belle, bah, tout le monde succombe à son charme, bah, voilà quoi. T'as compris quoi. Tout le monde succombe à son charme et puis blabla. Et puis tu fermes ta gueule quoi. À faire ça, normalement ça les rétame, puis là c'est le truc qui tourne, c'est ça, ouais. Let's go. Aider Luffy et machin à atteindre la plateforme de sécurité. Ah, oh, je regrette, je vais pas mentir, je regrette là d'avoir pris Wong quoi. Hein. Parce que c'est le fait qu'elle est pas améliorée, mais j'ai vraiment l'impression que en termes de combo, elle est pas folle. Hein. En fait, je dépends de mon truc, de mon mode Kizuna. Hein. Ah, ouais, déjà. Ah, y'a Kizaru. J'ai vraiment l'impression de dépendre de mon mode Kizuna en vrai. On va s'en sommer, il va pas s'en sommer lui. Ok, je peux les transformer en fait si je suis en Kizuna. Faut que j'arrête d'appeler ça Kizuna, c'est pas un Kizuna. Je suis trop l'habitude en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font la potence de l'autre côté, ouais. Pourquoi ils passent par là? C'est de l'autre côté, wesh. C'est de l'autre côté la potence. Oh mon dieu. Ils sont vraiment cons en fait. Genre là ils glandent, ils vont à gauche. Mais c'est à droite là, c'est à droite la potence. Ah ils font chier, honnêtement ils font chier là. Ok, le pacifista, normalement je le tue, let's go. Ah merde, on bloque encore le passage. Bah ils doivent encore contourner, mais en fait ça changera au fait que c'est à droite en fait. Donc les gars, j'avais raison en fait. C'est bien au bon endroit, mais sauf que eux ils sont là, ils glandent, ils font je sais pas quoi là. Let's go, Sentomaru en plus est apparu, ça fait chier. Et eux ils se battent contre Kizaru, il faut encore plus chier. Kizuna n'a pas le choix. Newcomers. Faut que je passe vite, en plus à 15h je dois partir. Let's go, bon c'est bon il est vaincu là, cassez-vous au bout d'un moment là. Ah ouais, ça va bien avec son pouvoir, le fait que c'est le pouvoir de la gorgogne, soi-disant. Enfin, Aka, tu sais, Médusa les a ensorcelés et tout, tralala. Le fait qu'elle se transforme en pierre alors qu'en vrai, c'est juste son pouvoir. Mais ils sont quand même un peu cons, quand même, hein, les Amazones.
Oh, il est résistant, lui, quand même, hein. Kev vaincu. Normalement, ils ont personne, là. Ils doivent courir. Allez, courez, les potes. Courez, 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 courez. Qu'est-ce qui fuit? Crocodile. On s'en bat les couilles du crocodile. Oh, les filles barbe blanche, Ivankov. En vrai, si je pouvais aller en bas et taper des gens, mais vas-y, Boa Hong Kong, c'est pas trop le kiff. Yamera! Ils auraient dû mieux le faire, la scène. Anata! Ah non, c'est Anokoto! Protéger Mugiwara! Ça aussi là, ils viennent se prendre un coup de poing d'empêche dans le torse, hein. Ils auraient pu faire la sim. Bon, après c'est des censures, hein, pour le coup, hein. Mais ils auraient pu quand même faire le corps mort, en fait. Enfin le corps troué. C'est minimum un semblant, quoi. Bon, là, ils vont au plateau, normalement. Pacifista, Pacifista. Je sais pas si je les tue, en vrai, là, mais... Ils ont beaucoup de bougou, n'empêche. Ah non, si, vaincu. Il s'avère que je suis plus fort que ce que je pense. On va se mettre en truc. Ça va être chiant parce que j'aurais dû le garder pour Akaino. Parce que je crois qu'on va se battre contre Akaino après. Enfin bon, c'est pas grave, au calme. Ah oui, si les mobs là ils sont en pierre par exemple, je leur fais beaucoup plus de dégâts. Et pareil pour les personnages de type poison, type César, les trucs comme ça. Ou peu importe les personnages qu'on aura avec des altérations d'état. Altérations d'état, c'est s'ils sont en feu, empoisonnés, en pierre par exemple, des trucs comme ça. Donc tous ceux qui mettent des altérations d'état, si vous mettez... Enfin de base, vous leur faites beaucoup plus de dégâts avec vos compétences et vos spells. Et vos auto-attaques, pardon. Et en plus, si vous... si vous... comment ça s'appelle? Si vous mettez la compétence en plus pour améliorer les combos et tout, bah vous ferez encore plus mal. Hein. Ah, y'a Mihawk. Tiens, un petit fluide dans ta gueule. Un petit tournoyant dans ta gueule. Allez hop, Mihawk, tu fermes ta gueule. T'es qu'un pauvre naze. Derrière, il y a Barbe Blanche qui se bat. Faut que j'aille vite fait le voir. C'est qui ici, là? Garp a atterri... C'est qui? C'est qui là derrière qui demande de l'aide là? Je vais aller voir c'est qui mais j'arrive pas à voir. Ah c'est Baggy. Let's go. Et des fois il devrait faire en sorte que tu puisses retirer les cinématiques. Parce que les petites cinématiques, les compétences, une fois que tu les as déjà vues, voilà quoi, c'est... C'est marrant des fois, mais dans le combat, avec tu les spams, voilà quoi. Je pense que c'est dans le combat, je les fais une fois de chaque. Ça va, les cinématiques, ils peuvent les retirer, parce qu'après, ça devient chiant. Genre. Voilà l'avantage du combo. On va lui faire ça, les combos. Boum. Mettez le raquet à garde, c'est la mission. On va aller voir Barbe Blanche.
pour l'aider avec Akainu là, parce que... Ah quoi, qu'il se fait quand même pas mal Retam. Hein. Et Barbe Blanche est full life. Barbe Blanche est full life. Hein. Première fois que je vois un bot qui s'en sort. Hein. Honnêtement, tout le temps qu'on voit des bots, ils s'en sortent jamais, ils se font rétamer H24. Ah ouais, là, bah là, le fameux combat avec Garp. Bah après Garp aussi, il a rien fait. C'est un peu dommage. わしは海軍本部中将じゃ。お前が生まれる遥か昔から、わしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくば。わしを殺してでも通れ。麦わらの海。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえ、おじいちゃん。どいてくれ。できねば、エースは死ぬだけだ。 Boum. C'est le Stéphère, bien sûr. Hein. Mais après, il a compris en vrai, Son Goku, il a compris et tout, c'est pas un bâtard non plus. C'est pas un Aikainu, quoi. Bouré. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Normalement, il lui met un gros coup dans la gueule de Luffy et Luffy lui met un gros fouzen dans le corps. Ça rebondit, mais du coup, bah voilà quoi, c'est Sangoku, hein, c'est un Bouddha. Il lui pète la gueule quand même. Bon, là, il n'y aura pas de Fly Alone. Hein. Là, je le bombarde de coups de poing, de coups de pied. J'aurais pas le choix en vrai, parce qu'il va me rétamer. Genre. Faut vite que je charge mes techniques, hein, parce que là, je suis dans la merde sinon. On va aller faire un fluide royal. On va voir ce que je retire. Oh, c'est vraiment naze. Ah, fuck, il a récupéré sa vie. Ça va, c'est pas mauvais en termes de dégâts. On va lui faire une flèche. Ah, là, je les bombarde. C'est l'attaque, je les mets en centre. Là, on va se transformer. On va réavoir nos spells beaucoup plus facilement. Oh mon dieu. Let's go. Bon, ça va, on n'a pas galéré non plus de fou. Je te condamne à mort. Après, j'ai stylé quand même son pouvoir. Fuzen! Il tombe, il tombe, il faut détruire cette plateforme. Ah, ça veut dire le prochain on jouera Ace, prochain T1. Mochirunda. Ikusue. Kiffant. Un rang A, non. Oh, j'ai eu un S avec Bora. Choqué. Choqué, même moi je suis choqué. I'm choqué. Ok, let's go. Attends, on a tellement pas de berry. Je ferai une session berry, mec. Hein. Je vais farmer une zone. Il y a toujours une zone où tu peux avoir le plus d'argent et tout dans l'Empire 3. C'était le Colisée, là. On verra c'est quoi. Une zone où on peut charger et tout. On va voir qu'est-ce que je peux jouer là. Là, je peux jouer qui? Luffy, Ace, Jinbe, Crocodile. Donc, on va jouer Ace. Et là, je joue qui? Jinbe ou Crocodile? Bah, je jouerai des deux. Du coup, là, je jouerai du coup Jinbe.
J'ai pas joué une seule fois Ace lors de la grande guerre, bah c'est pas grave en vrai. Après là j'aurais. Merde. Après là je pense que j'aurais dû jouer à Luffy à la place de Boa, mais je savais plus où est-ce qu'on pouvait jouer Ace, etc. Pas grave. De toute façon vous avez assez bouffé de Luffy, vous en boufferez juste après. Hein. Voilà voilà. Sur ce les gens, je vous invite à vous abonner, à lâcher un big like, ça fait grave plaise. Merci de continuer à suivre du coup le let's play avec moi. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et merci à vous. À la prochaine.